Porté par un grand Gavi, le FC Barcelone a surclassé le Real Madrid et s'est offert sa 14e Supercoupe d'Espagne sur le score de 3-1. Le premier trophée de l'ère Xavi. Un mois après la victoire du Real Madrid lors du Classico, en Liga sur le score de 3-1, les Merengues retrouvaient le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, à Riyad. Vainqueur de Valence en demi-finale, le Real Madrid espérait, à nouveau, devancer son meilleur ennemi, qui s'était également qualifié difficilement contre le Real Betis, au tir au but sur le score, nul de 2-2 en demi-finale. Pour cette finale, Dembélé, Gavi, Pedri et Lewandowski défiaient Vinicius Junior, Benzema, Valverde et Camavinga. Rapidement, c'est le FC Barcelone qui a pris les devants dans cette rencontre, avec une frappe de Lewandowski sur le poteau de Courtois à la 12e minute de jeu. Et quelques minutes plus tard, après un bon mouvement collectif, Lewandowski, servi à l'entrée de la surface du Real Madrid, décalé Gavi sur la gauche du but, pour ouvrir le score 1-0 à la 34e minute de jeu. Les Madrilènes, inexistants, ont eu l'occasion d'ouvrir le score, mais la tête de Benzema passait à côté à la 14e minute de jeu. Mis à part cela, les hommes d'Ancelotti n'ont pas existé, et Lewandowski doublait la mise, servi par un sublime Gavi 2-0 à la 45e minute de jeu. Alors qu'on attendait un réveil de Benzema et ses coéquipiers, le Real ne s'est pas réveillé, et était proche du 3-0. Dembélé manquait son duel contre Courtois à la 52e minute de jeu, avant que le gardien belge ne repousse le tir de Lewandowski à la 54e minute de jeu. Mais ce dimanche soir, emmené par un très grand Gavi, le Barça était intouchable. Le jeune milieu de terrain de 18 ans, centré fort vers Pedri pour le but du 3-0 à la 65e minute de jeu. Et même quand la défense catalane flanchait, Ter Stegen était là, pour sauver les siens à la 79e minute de jeu. En toute fin de match, Benzema ne pouvait que réduire le score 3-1 à la 90e+5 minutes de jeu. Au stade international du Roi Fahd de Riyad, en Arabie Saoudite, le Barça a remporté ce Classico contre le Real Madrid, tenant du titre de la Supercoupe d'Espagne. Il s'agit du 14e trophée barcelonais dans cette compétition, le premier depuis 2018, et surtout le premier pour Xavi Hernandez, en tant qu'entraîneur du club. Un résultat prometteur pour la suite de la saison, alors que le Barça est encore en lice, pour remporter la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue Europa.